Marie, t'aurais pu faire mieux que ça. 38%. Ben voyons. Avec le nom auquel il se rapporte, alors que le participe passé employé avec « être », lui, s'accorde avec le sujet. Le participe passé employé avec « avoir », lui, c'est un petit peu différent parce qu'il s'accorde avec le complément direct seulement s'il est placé avant le verbe. Apportez-moi vos copies, déposez-les sur mon bureau. Bonne journée! Ben, les gars! Merci, bonne journée. Bye. Merci. Bonne journée. Marie, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Genre là, là. Non, c'est correct. Viens nous rejoindre au baby-foot. Bonne journée, les gars. Bonne journée. Marie, je suis un petit peu inquiète de tes résultats scolaires. Ouais. Vous êtes pas la première à me le dire, là, mais... juste que, je sais pas, là, je vois pas le bout. C'est comme, je sais même pas à quoi que ça me sert, tout ça. C'est pas assez concret, là, pis... tu sais, je suis là, mais en même temps, je suis pas vraiment là, là. Je comprends ce que tu me dis. Mais montre-moi donc ça. Mais c'est beau ce que tu dessines. Ça t'intéresse, les planètes? Oh, c'est juste des gribouillis, là, mais ça m'a tout le temps intéressé, genre tout ce qui se passe autour de l'univers, là, pis t'sais, l'espace, pis les films, pis tout. Salut. Allô? Salut. Bonjour, mesdames. Désolé pour mon retard. Vous aviez pas commencé encore? Non, t'attendais, pas trop, ça va. Okay. En fait, je vous ai réunis parce que je voulais qu'on parle de Marie. Ça va pas du tout, là, dans certaines de ses matières, elle est en échec, en français entre autres, en mathématiques également. Puis je voulais regarder, là, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elle parce que... elle est souvent absente. Bon, on fait quoi? Écoute, moi, je la sens sur le point de décrocher. Mais elle a tout ce qu'il faut pour réussir, sa petite fille, là. Ben oui, puis moi, j'ai observé certaines choses avec elle en classe, puis je pense que si on la dirigeait vers du concret, là, on pourrait faire quelque chose de bien, là. Ben, il faudrait trouver quelque chose qui l'intéresse. Effectivement. Ouais, quelque chose qui motive. Ah, ben, j'ai une idée de projet. Ouais? Ouais. OK, la gang, je vais vous expliquer le prochain travail. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Il va compter pour 25 % de votre étape. Ben non, là, vous êtes pas sérieux, là. 25 %, c'est bien trop. Ben non. Regardez, je vais vous expliquer, c'est super simple. Vous allez devoir faire une recherche en lien avec une passion que vous avez. Ça peut être un métier, ça peut être un sport, ça peut être des animaux, peu importe. Vous devez faire une recherche, puis ensuite faire une présentation orale. Vous pouvez même inviter quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans ces domaines-là pour donner du poids à votre argumentaire. Regardez, il reste 5 minutes. Prenez le temps de penser, discutez-en ensemble, puis on s'en reparle demain. Hey, vous, savez-vous ce que vous allez faire? Ben moi, je vais faire ça, c'est comportement animal. Mon père travaille là-dedans, puis en plus, j'adore les chiens. C'est cool, ça? Pis toi, Marie, t'arrêtes pas de nous casser les oreilles avec tes histoires d'Apollo puis d'espace. Tu pourrais faire ça là-dessus? Je sais pas, je connais personne là-dedans. Fait. Mais si ça tente, mon oncle travaille à l'observatoire. Fait que je pourrais te donner son numéro de cellulaire. Mmh. Mais oui, Marie. L'observatoire, les planètes, système solaire. Je pourrais te donner son numéro de téléphone. Hey, ça serait vraiment le fun. Ouais, on s'en reparle tantôt. Puis, comment ça va, la gang? Ça va pas bien. Ça va? C'est beau de vous voir concentrer comme ça. Hey, tu sais-tu quoi? Non. Je fais mon exposé sur le film Sol sur Mars. Puis j'ai même invité Rémi, l'oncle de Tommy, qui travaille à l'observatoire. C'est vrai? Ouais. Puis il va venir nous parler de la NASA, là. Comment ils font pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, là. Wow. Ouais. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment fière de toi, Marie. C'est beau de voir motivée comme ça. Hey, merci. Pour une fois, ça me fait du bien de me sentir bonne. Lâchez pas, la gang. Faites bien ça. Merci beaucoup, Mathilde. Marie, ça va être à ton tour. Tu vas pouvoir amener ton invité en avant pour qu'il vienne nous expliquer toutes ces belles affaires-là. Bon, ben bonjour. Aujourd'hui, je fais mon exposé sur l'espace puis l'univers. Puis j'ai invité Rémi de l'Observatoire de Trois-Rivières. Salut tout le monde, ça va? Salut.
C'est ça, moi je travaille à l'observatoire. Bonne journée, hey, c'était bon. Bye. Bye, bonne journée, à demain, à demain. Hey, c'était bon ton exposé, Hugo. Hey, ben merci de l'invitation, c'était vraiment cool. T'étais préparé, ça paraissait, t'étais allumé. Merci bien gros, c'était vraiment le fun. Je me demandais, on cherche quelqu'un à l'observatoire le vendredi soir pour venir nous donner un coup de main. Ça pourrait-tu te tenter? Ah ouais, ça me tente, là. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas les tâches les plus fun. C'est comme un peu d'entretien, préparer la salle pour le samedi, mais c'est quelque chose qui te tente. Ah, mais c'est pas grave, c'est quand même, tu serais là-bas pareil, là, c'est le fun. Ouais, ouais, ça me tente vraiment. Puis, ouais. On sait jamais, mettons, si tu fais la job puis que tu t'entends bien avec l'équipe, ben, l'été prochain, on cherche tout le temps quelqu'un à l'accueil, ça pourrait être quelque chose de pas pire aussi. Ah ouais, vraiment, ça serait malade. Bon, ben, fait qu'on se voit vendredi. Ouais, c'est bon, je vais être là. Parfait, bye. Bye. On se voit demain, Marie, hein? Hey, certain.